Bonjour à toutes et bienvenue dans notre émission Les Boss Ladies Show. Je suis le pasteur Grâce, nous sommes sur Évangile TV et aujourd'hui je suis entourée de Boss Ladies. Est-ce qu'on peut acclamer? Yes! Aujourd'hui vous allez découvrir des visages que vous n'avez pas l'habitude de voir sur Les Boss Ladies. J'ai des chroniqueuses de Push Me Up, de fraîche rayon bombe, worship bombe, oh là là, là c'est un melting pot de tous tes potes. Ça va être super bien. En tout cas, cette émission est une émission spéciale. C'est une masterclass, les Boss Ladies. Yes. Et les Boss Ladies en herbe ici ont des questions pour moi. Et donc aujourd'hui, on va répondre à plein de questions. Ce sont aussi peut-être des questions que vous vous posez. Je sais que cette émission, en tout cas cet épisode, va véritablement vous édifier, vous construire. J'espère que vous êtes prêtes. Je dis à vos carnets, à vos agendas, prenez de quoi prendre quelques notes. Vous allez voir, ça va vous booster. Yes. Alors, les filles, bienvenue sur le plateau. Merci. Merci. Ça fait quoi? Ça fait quoi d'être... On a les papillons au ventre. Ah, ton papillon au ventre, là, c'est pas un stress. Ah non, c'est juste ça. Faut pas stresser. Hein, faut pas stresser. Alors, Grâce Mélodie, est-ce que tu peux te présenter à notre public? Oh, ok, bon, moi, c'est Grâce Mélodie Duvaux. Donc, en tout cas, déjà, je suis tellement contente d'être sur le plateau des Boss Ladies. Enfin. Trop d'émissions, trop d'émotions, j'ai dit trop d'émissions. Bientôt. Du coup, Et tu fais quoi dans la vie? Dans la vie de tous les jours, je travaille au studio Évangile TV, donc à la communication. Mais ce n'est pas tout, je suis également une boss lady. Wow. Yes. Ben, faut nous dire ce que tu fais en tant que boss lady. Je crois que tu es écrivaine. Oui. Ben oui, tu as écrit combien de livres? J'ai écrit 3 livres. Wow. Donc vous pouvez également procurer sur Amazon. Donc, exactement. Livre d'encouragement, livre de motivation, livre aussi de témoignages, donc un petit peu sur mon... Mon parcours, mon petit parcours sur la terre, mais qui est très grand, Jésus. Et qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Ah oui, j'ai aussi créé différents planeurs, donc des planeurs pour passer du temps avec Dieu, noter ses petits versets, noter ses temps d'intimité, que je vois également sur Amazon. Et j'ai aussi une page Instagram. Ouh, wow, elle est chargée. J'ai aussi. Non, débat. On a du boss et du zonnerre, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Voilà, on va grand. Amen. Donc du coup, voilà. Et puis en plus, j'ai plein de projets à cœur et j'espère vraiment que Dieu me fera la grâce de les mener jusqu'au bout. Yes. Et de vraiment faire grandir tout ça parce que j'ai du potentiel. On a tous du potentiel. Amen. Et je crois vraiment qu'on doit tous le manifester. Amen. Ben, merci d'être là. Yes. Naomi, alors dis-nous, est-ce que toi aussi tu as écrit un livre? Moi, il n'y a pas de aussi. Mais moi, ça arrive, ça arrive. Il y a la graine de votre téléchargement. Téléchargement. Je ne sais pas si on Non, parce que toi aussi, tu écris. Hein. Ah, tu n'écris pas des livres, mais tu écris. Yes. Oui. J'aime beaucoup écrire tout ce qui est scénario, tout ce qui est film, tout ce qui est série. Ça, c'est mon petit plaisir personnel. Bon, un jour, il sera au vu de tous. Là. Amen. Mais pour l'instant, là, il reste c'est au chaud. Ah, il est au chaud, là. Dans l'usine de. Ah oui, oui. Ah, oui, oui. Moi, pour l'instant, bon, je suis étudiante, je travaille à Évangile TV et j'anime des fois et je suis chroniqueuse à Fraîche. Mais je sais que le jour où je vais passer vraiment, vraiment au boss lady, là, c'est que je pense que je vais parler de mes films, de mes séries que j'aurais créées pour le Seigneur. Parce qu'il y en a ici. Wow. Et
Non, c'est grand parce qu'on a dit on est des bossés. Yes. Wow. J'aime bien en tout cas vos deux profils déjà parce que ben, vous osez voir grand. Wow. Et je crois que c'est un peu le concept même de cet épisode. Hein. Mm. C'est susciter ici à quelqu'un ben, une grande pensée pour que tu puisses voir grand, pour que tu puisses t'imaginer vraiment les choses que tu ne pouvais pas t'imaginer avant, que tu sois capable de les imaginer. Yes. Ok. Et à côté de moi, il y a Aurélie. Aurélie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, déjà, premièrement, j'aimerais te remercier pour l'opportunité d'être sur le plateau. Avec une grâce. Parce que vraiment, moi, je me projette, je me vois déjà comme une boss lady. Je me dis, c'est prophétique. C'est très prophétique pour moi, en tout cas. Donc, vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, moi, je m'appelle Aurélie Conné, chroniqueuse de Push Me Up. J'étais en école d'infirmière, j'ai fait une petite pause pour avoir un peu de finances, un peu de provisions pour la suite du projet. Donc je vais reprendre l'année prochaine en tant que en deuxième année d'école infirmière. Et j'ai d'autres projets, celle de créer une orphelinat pour les orphelins, pour pouvoir pour qu'ils puissent en fait être subvenir à leurs besoins et ne pas se sentir un peu à l'écart et tout ça. Donc voilà, c'est un petit début de tout ça. Amen. Des boss les dit avec un grand cœur. C'est beau. Ok, et à côté d'Aurélie, nous avons Inès. Merci, Pastor Grace, pour l'opportunité également d'être sur le plateau. Moi, je m'appelle Inès, je suis maquilleuse et monteuse également à Evergreen TV. Voilà, on a il y a beaucoup de casquettes aussi. Enfin, j'aspire aussi justement à de grandes choses. Ça grouille beaucoup dans ma tête. Wow. Et je sais que je vais être une boss lady également. Mmh. Voilà, comme tu as dit, c'est prophétique. Voilà, on n'est pas là par hasard. donc voilà. Ah, amen. Super. Ben, en tout cas, les filles, vous êtes les bienvenues sur ce plateau. Merci. Et je pense qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, vous qui nous suivez, n'hésitez surtout pas à poser également vos questions dans le chat et aller chercher toutes les personnes qui doivent regarder cette émission parce que nous allons répondre quand même à pas mal de questions que certaines se posent. Et donc, qui commence? Je vais me lancer. Okay. Vas-y. Alors, moi, j'ai une première question. C'est une question que tout le monde peut se poser. C'est comment, en fait, trouver son potentiel? Comment trouver, en fait, la chose dans laquelle, le domaine dans lequel on peut se déployer, trouver, en fait, passion et pouvoir aider quelqu'un? D'accord. Alors, moi, je dirais plutôt comment utiliser son potentiel. Parce que, à mon sens, en fait, on n'a pas besoin de trouver son potentiel puisque son potentiel est en toi. Tu dois le découvrir. C'est vraiment aller à la quête, à la découverte du potentiel. Mais pour arriver à la découverte du potentiel, il faut d'abord faire la quête de soi. En fait, il faut savoir qui on est. Parce que le potentiel, c'est pas comme quelque chose qu'on possède. Mais en réalité, le potentiel fait partie de nous. Vous voyez ? Et l'avantage du fait d'être en Christ, on a quand même l'avantage de pouvoir trouver très facilement notre identité en Christ. Mais pour celles qui ne connaissent pas Jésus, elles doivent faire un travail en fait de la recherche de soi. Qui est-ce que je suis réellement ? Parce que quand tu nais avec tout un... En fait, il y a tout un potentiel ou beaucoup d'immensité, en tout cas de possibilités en toi, parce que Dieu a créé l'homme avec des possibilités. Ça se voit simplement même quand tu regardes le corps humain. Le corps humain a des possibilités incroyables. On a tous des yeux, mais on ne voit pas tous les choses de la même façon avec nos yeux. On a des yeux, mais on n'a pas le même regard. Vous voyez ? On a des jambes, mais on ne va pas marcher autant de kilomètres de la même façon. On a des bras, mais on ne va pas être capable de porter la même chose. C'est pareil pour les choses plus profondes, plus pertinentes. On a tous un cœur, mais on ne va pas tous avoir l'idée d'ouvrir un orphelinat, tu vois. On a tous un cœur, mais on ne va pas avoir l'idée, par exemple, où on a tous des histoires à dire, à raconter. On n'aura pas forcément l'idée d'écrire un livre, en fait. Le potentiel, c'est d'abord qui tu es. Te découvrir toi-même qui tu es. Trouver en fait la clé de ton existence. Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur terre? Si tu comprends pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur terre, ensuite tu devras comprendre, ok, comment est-ce que je peux me déployer? Par exemple, moi j'ai vite compris que Dieu m'a envoyé sur terre pour le servir. Ok? Donc je sais que je dois répondre au service de Dieu à tout prix. Et comment est-ce que je vais servir Dieu? En fait, pour que je sois le plus efficace possible, il faut que je gagne des âmes. Okay. Maintenant, quand je regarde dans ce que je suis, il y a aussi ce que je sais faire.
Il y a des choses que je sais faire. Et il y a des choses que je sais plus ou moins faire, plus ou moins bien faire. Il y a des choses que je saurais faire, on va dire, de façon... c'est pas très pertinent, mais je sais quand même les faire. Par exemple, je sais que je sais danser. Je sais que je sais chanter. Je sais danser. Tant pis pour ceux qui doutent. Je sais que je sais danser. En fait, c'est important de savoir faire, d'avoir une liste des choses que je sais faire, que je pense savoir faire, en fait. Et faire cette liste et mettre un point d'honneur, en fait, à se poser de bonnes questions sur, en fait, quelle est la raison de mon existence. Parce que si tu sais faire un certain nombre de choses, ça signifie que les choses que tu sais faire vont pouvoir répondre à la raison de ton existence. Okay. Capté ou pas? Okay. Les choses que tu sais faire, c'est-à-dire tes compétences, tes qualités, vont répondre à une chose, la raison de ton existence. D'accord. Voilà. Donc, c'est important de se connaître, trouver la raison de ton existence, pourquoi Dieu t'a créé, ok? Par exemple, une table. Pourquoi est-ce que la première personne qui a eu l'idée de créer une table, pourquoi est-ce qu'il a créé une table? Est-ce qu'une table, c'est pour t'allonger dessus? Non. On peut trouver d'autres utilités à une table. Je sais pas, manger autour d'une table, ou etc. Mais si tu amènes une table dans une civilisation qui n'a pas été éduquée par rapport à la table, ils n'ont pas l'habitude de manger sur une table, peut-être que les enfants vont se retrouver à jouer sur la table. Peut-être que quelqu'un va s'allonger et dormir sur la table. Donc, il y a aussi ce deuxième aspect qui va du coup t'emmener à développer ton potentiel, c'est l'aspect de, en fait, non seulement découvrir ce à quoi tu as appelé ton existence, mais ensuite oser aller trouver le manuel d'utilisation. D'accord. C'est-à-dire, ça sert à quoi ce que j'ai? Tu vois, ça sert à quoi? Comment est-ce que je dois pouvoir l'utiliser? On te donne une table, qu'est-ce que tu dois faire de cette table? Tu vois, ça, ce sont des questions que tu dois te poser et à savoir quelles sont mes compétences, quelles sont mes qualités, ensuite à quoi ça sert. Ok, je sais danser, mais est-ce que parce que je sais danser, je dois aller danser en soirée? Peut-être pas. Peut-être que ma compétence de danse peut être utilisée, je sais pas moi, dans un spectacle qui va faire que je vais gagner des... Enfin, bref. C'est peut-être vrai que je dois mettre en place une école de danse. En fait, la plupart des gens ignorent. Quand je dis ignore, c'est pas ignorer dans le sens de ne pas savoir. C'est ignorer dans le sens de ne pas vouloir voir, ne veulent pas regarder qu'ils ont des grandes qualités en eux. Et en fait, Dieu, pour développer ton potentiel, il va utiliser ce que tu as en toi. Ça vient jamais de l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Mais de rien, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tout à fait. Ok, quelqu'un a une autre question? J'aurais une question. Je pense que ça se rejoint aussi avec ta question. C'est comment est-ce que tu trouves l'inspiration et la créativité? Waouh, c'est une très belle question. Lorsque je n'étais pas chrétienne, j'écrivais énormément de chansons. Et je trouvais l'inspiration et la créativité dans ma vie. Tout simplement. Et je pense que la plupart des gens qui ne sont pas chrétiens, etc., trouvent leur créativité, en fait, dans la vie. La vie est une belle chose, en fait. Et en fait, parfois, en tant que chrétien, on oublie que Dieu nous a donné une vie. Et si on avait réellement une attitude de reconnaissance, on serait en train de louer ce que Dieu a fait. Vous allez voir que beaucoup de non-chrétiens louent plus ce que Dieu a fait que nous. Ils disent pas que c'est Dieu qui l'a fait, mais ils louent la vie, ils aiment la vie, ils célèbrent l'amour, ils célèbrent l'amitié. Ils célèbrent tellement de choses qu'on a l'impression, en fait, qu'ils sont plus épanouis que nous. C'est simplement que nous, en fait, on a souvent les yeux fermés sur des choses que Dieu a créées, mais qu'on considère simplement que ben, ces choses-là, elles sont là comme ça. On ne se rend pas compte que le fait d'avoir la vie, c'est une grâce. Quand tu commences à avoir une attitude de reconnaissance, tu auras toujours l'inspiration. Quand tu as une attitude de reconnaissance, quand tu es tout le temps reconnaissant, regardez, quand tu es tout le temps reconnaissant pour une grâce qu'on t'a faite, une grâce qu'on t'a donnée, bizarrement, tu vois que ça se multiplie toujours dans ta vie. Tu peux visser la chose pour qu'on puisse, ça puisse rentrer. La créativité vient du fait qu'on développe cet esprit de reconnaissance. Si tu es reconnaissant
pour ce que tu as, tu vas continuer à avoir en fait, tu vois. Parce que, pourquoi la vie? Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, l'univers, tout ce qu'il y a autour. Et Dieu a créé toutes ces choses pour qu'on puisse être heureux dans toutes ces choses. Dieu n'a pas créé les choses pour qu'on soit malheureux dans toutes ces choses. Au contraire, lorsqu'il a créé le ciel, la terre et qu'il a mis l'homme sur la terre, c'était pour le bonheur de l'homme aussi. Et donc, c'est important qu'en tant que chrétien, on apprenne à reconnaître que, en fait, la vie que je mène, c'est merci Seigneur, quoi. Merci Jésus. Plus tu dis merci à Dieu, plus tu rends grâce au Seigneur, en fait, plus il y aura cette joie sur ton visage. La créativité va venir. Mais si tu es constamment dans un sentiment de « je me plains, il n'y a rien qui marche et ça ne fonctionne jamais », tu vas voir, tu n'auras que ce que les gens appellent dans le monde les idées noires. Quand tu as les idées noires, tu ne peux rien créer, tu ne peux rien faire. Donc, c'est important d'être tout le temps, constamment dans une attitude de reconnaissance. Amen. Tu vois, pour la moindre petite... Le petit portable, waouh, waouh, oh waouh. Pourquoi? Parce que si tu es émerveillé par ce que Dieu fait, tu apprendras à être émerveillé par ce que tu fais. Et si tu sais que c'est Dieu qui le fait au travers de toi, tu vas apprendre à être émerveillé. Tu vas dire merci à Dieu à chaque fois et tu sauras comment faire mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de plus en plus. C'est ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Il crée quelque chose, il dit C'est bon. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bon. Il s'arrête pas là. Il dit que la lumière soit. Il dit avec la lumière, ce serait bien qu'on mette. Et il rajoute une chose. Oh, sur la terre, il faut les eaux. Ou la mer, la plage. Vous imaginez Dieu en train lui-même de célébrer ce qu'il a créé. Et il crée. Il dit, on va créer l'homme. Quand même, quand il crée l'homme, il se dit, c'est bien, mais il y a un bug. Il manque la femme. Il manque la femme. Mais quand il crée la femme, il dit, c'est parfait. Vous voyez un peu là où j'en viens? C'est-à-dire que la créativité, ça ne vient pas juste du fait que, oui, alors tu vas trouver, tu vas t'inspirer de ce qu'un tel a fait, tu vas t'inspirer de ce que l'autre a fait. Non, l'inspiration va venir de l'intérieur. Et l'intérieur, en fait, ça va être provoqué par ton action de grâce, par ta reconnaissance, par ton attitude, en fait. Si tu gardes une attitude, tu te dis, waouh, je te remercie parce que, Seigneur, j'ai atteint cet objectif. Je te remercie parce que j'ai réussi à faire tel projet. Tu vas voir que le Seigneur va continuer à déverser les idées parce que les idées viennent de lui. Voilà. Je commence déjà à remercier. Merci. 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 Là, tu remercies moi. J'ai envie de remercier là. Est-ce que ça donne du sens? C'est une clé trop pertinente. Mais même dans la vie de tous les jours, on apprend à être reconnaissant, même à remercier en fait. Quiconque nous offre quelque chose, en fait. Amen. Et donc, en fait, pourquoi pas remercier Dieu pour toutes ces choses qu'il nous donne, en fait. Si au-delà d'être humain, on arrive à le remercier, pourquoi pas remercier Dieu. Donc, c'est vraiment une clé très pertinente et je pense que c'est... Pour moi, salutaire, en tout cas. Mais tu vois, l'une des erreurs et que moi aussi, j'ai pu avoir, c'est... Tu vois, l'esprit, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est quand même un... Il y a quand même un double sens derrière qui peut être très, très néfaste, en fait. Parce que tu n'es jamais satisfait. Mais quand tu n'es jamais satisfait, finalement, tu n'arrives jamais à trouver le truc aussi, tu vois, qui va te satisfaire. Il faut apprendre à regarder les choses telles qu'elles sont et se dire « oui, c'est bien, oui, c'est beau, oui, j'apprécie ». Mais « j'apprécie » ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin, tu vois. Donc, il faut apprécier l'étape de créativité dans laquelle tu es si tu veux arriver à un autre niveau de créativité encore. La créativité appelle la créativité, tu vois. Donc plus tu vas nager dans ce niveau, plus tu vas même louer ce niveau dans lequel tu es et tu vas t'encourager dans ce niveau, tu vas voir que ça va grandir en fait en toi. Moi j'ai une question par rapport à la créativité, parce que par rapport à ce que je disais par rapport aux séries et les films et tout, c'est quelque chose que le Seigneur m'a vraiment révélé quand j'ai donné ma vie à Christ. Et la chose en fait, c'était que en fait à un moment la créativité fusait mais tellement dans ma tête, et il y avait un côté de moi qui était tellement heureuse parce que je voyais les choses, mais en fait j'étais tellement frustrée parce que j'arrivais pas à les exploiter et je savais pas comment le faire. Et encore aujourd'hui, maintenant j'ai la grâce d'être entourée, d'être bien entourée, des personnes qui peuvent m'aider, mais il y a encore ce côté de moi qui est là, qui n'arrive pas à vraiment jouir de cette créativité parce que j'arrive pas à exploiter pleinement ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc comment faire quand on a ce truc? Parce que là où tu parles de... En fait, toi, quand tu parles de créativité,
Il y a un autre aspect qui s'ajoute, c'est la vision. Mmh. La capacité, en fait, de visualiser des choses et d'imaginer des choses. Parce que quand on parle de créativité, on parle forcément d'imagination. Mmh. Mais regardez, Dieu va quand même nous dire dans sa parole qu'il nous donne au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même utilise l'aspect de l'imagination pour nous emmener à enfanter des choses. Mmh. D'accord. Donc, quand tu es déjà arrivé au niveau où tu imagines, et toi, tu imagines beaucoup, tu es un enfant qui imagine, tu penses plein de trucs, tu as tout le temps quelque chose à imaginer. Mais qu'est-ce que la Bible va dire dans Habacuc 2:20? Va dire « écris ». Quand à un moment donné, ça fuse, tu t'assois, tu écris. C'est la première réponse, en fait, à la créativité. Parce que la créativité, c'est pas juste « oh, j'ai de la créativité, et puis je fais ». Beaucoup de gens se sont trompés, ont fait beaucoup d'erreurs en se disant « oh, je suis tellement créatif que du coup, je vais faire tellement de choses ». Et ils vont, ils font des choses et puis ils se plantent en fait. Ils font des erreurs, ils partent trop tôt, ils font des choses trop tôt ou ils n'étaient juste pas prêts. Alors que, en fait, quand la créativité arrive ou quand la vision arrive, c'est une très bonne chose, excellente. Et en fait, plus Dieu multiplie la chose, selon moi, quand Dieu multiplie, il est simplement en train de confirmer que c'est bien le bon domaine. Tu vois. Donc plus tu sens que tu as de la créativité dans ce domaine, plus tu sens que tu as des visions et ton imagination va très loin dans ce domaine, c'est que tu es sur le bon chemin. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois et tu écris. C'est la première étape. Tu t'assois, tu écris tout ce qui peut te passer à l'esprit. Tu écris tout ce que tu peux imaginer. Je vous assure, même dans les détails les plus qui vous paraissent les moins importants, tu écris en fait. Tu écris la vision. Ce qui est formidable dans le fait d'écrire la vision, c'est que quand tu écris ce que tu imagines, je ne sais pas, peut-être toi tu es écrivain, ça va te faire ça, mais plus tu écris, plus tu trouves d'autres mots et d'autres sens à ce que tu es en train d'écrire. Plus tu mets des mots, plus tu trouves d'autres sens. Et quand tu trouves d'autres sens, ça fait quoi? Ce qui est bien dans le fait de trouver d'autres sens, c'est que tu trouves aussi d'autres voies et d'autres moyens pour réaliser ce que tu as écrit. C'est ça en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir poser la chose noir sur blanc et ensuite voir, avoir cette capacité de voir les mots bouger devant toi. Moi, quand j'écris quelque chose, si je reviens et je relis la chose des mois ou des semaines plus tard, j'ai l'impression de voir ces choses en mouvement. Parce que j'ai l'impression que ces choses prennent vie. Il faut les écrire pour que ça prenne vie. Tant que ça reste là, ça ne prend pas vie. Il faut les extérioriser pour que ça prenne vie. Donc, première étape, écris toutes ces choses. Tu ne perdras jamais de temps à écrire. Écrire un rêve, un projet, une vision, une idée, une création, quelque chose ne sera jamais une perte de temps. Jamais. Au contraire, tu peux même gagner beaucoup plus de temps en écrivant plutôt qu'en te disant juste « je vais juste faire la chose ». Parce que si tu l'as fait, tu vas faire avec les erreurs de ce que tu penses. La Bible va dire que c'est en partie que nous prophétisons. Ça veut dire que tu peux faire des erreurs même dans ta projection. Tu vois? Donc, pour t'éviter les erreurs de projection, écris. Comme ça, quand tu vas écrire, tu vas te dire, c'est pas exactement ce que j'avais vu. Tu vas trouver un autre mot. Et si tu trouves pas le mot, le Saint-Esprit va t'inspirer autre chose. Et ensuite, après, pour moi, il faut aussi demander au Seigneur, ok, Seigneur, est-ce que tu peux créer les opportunités pour moi pour réaliser cette chose, en fait, pour réaliser ce rêve. Mais écrire n'est jamais une perte de temps. Jamais. Au contraire. On avance ou pas? On avance. Ça vous parle ou ça vous parle? Et toi-même qui écris, comment tu le vis toi? Est-ce que tu as l'impression que quand tu écris, plus ça évolue vers autre chose? En fait, moi, j'aimerais dire que même au-delà de l'aspect d'écrire, en fait, quand tu fais les choses avec Dieu, il y a toujours ce côté surnaturel. Parce que moi, souvent, les gens, à chaque fois, ils viennent me voir, ils me disent, mais Grace me dit, comment tu fais pour écrire? Comment ça se fait qu'à ton âge et tout, t'es autant écrit? Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, j'ai envie de dire, je ne peux pas expliquer. Parce que l'écriture, comme c'est quelque chose que Dieu m'a donné, le fait même d'écrire, je vais voir que je ne peux pas en fait l'expliquer de manière naturelle. C'est parce que en fait, Dieu va m'inspirer quelque chose. Et souvent, quand je vais écrire ces livres, je vais commencer à écrire. Et puis là, Dieu va me parler, il va me donner des idées, il va me donner des chapitres et je vais visualiser. Et quand je vais écrire, je vais tout taper. Et même en relisant, je me dis, mais waouh, mais qui a écrit ça? Comment est-ce que j'ai pu? Est-ce que j'ai pas fait les études? J'ai pas.
En fait, j'ai rien fait, mais c'est le Saint-Esprit en moi qui fait la chose. Et comme tu disais tout à l'heure, plus tu vas écrire, plus tu vas mettre en forme la vision, plus Dieu va multiplier, plus il va te donner même d'autres choses, d'autres angles, d'autres manières de regarder. Et c'est pour ça que même en revenant sur le point dont on parlait tout à l'heure sur le fait de savoir qui on est, quand on sait qui on est en Christ, en fait, Dieu va toujours, il va toujours mettre un cadre, il va toujours te donner les mots et faire en sorte que tu puisses manifester qui il est à travers ce qu'il t'a donné. En Amen. Fait. C'est ça qui est vraiment incroyable quand tu es une boss lady en Christ. Amen. Amen. Et j'aimerais en fait rajouter que tout ce qui est écrit est fixé. Tout ce qui est écrit est fixé. Vrai, c'est vrai. Et c'est ce que Habakkuk va aussi nous dire en fait. C'est-à-dire que quand tu as écrit cette chose, ça veut dire que le temps de l'accomplissement est déjà à son terme. En fait, la vision est déjà à son terme. Le temps arrive en fait. Tout ce qui est écrit est fixé. Et regardez quand Dieu va donner à Moïse les tablettes de la loi. Dieu va écrire. C'est Dieu qui va écrire. Oh my God. C'est lui-même. C'est Dieu qui va écrire. Et moi, en fait, beaucoup de chrétiens doivent comprendre que c'est important en tant que chrétien d'écrire. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'esprit de l'homme est limité par rapport aux capacités de l'esprit de Dieu. Donc, quand dans ton esprit, tu réussis à capter un peu de la divinité, parce que quand tu commences à avoir des visions et la créativité, et ça, c'est pas seulement les chrétiens qui expérimentent ça, hein, la créativité, tu captes un peu une partie en fait de la divinité de Dieu, tu vois. Et quand tu as réussi à capter la divinité de Dieu, pour que tu puisses capter davantage, il faut que tu te décharges. Ok, waouh. Okay. Parce qu'en fait, en toi là, il n'y a pas suffisamment d'espace pour contenir la divinité. Yes. Donc s'il faut que Dieu te donne encore plus, il faut que tu mettes cette chose-là quelque part. Et en vérité, ta petite tête ne pourra pas tout contenir et contenir dans toute sa grandeur la vision que Dieu veut réellement faire, accomplir avec toi. Du coup, c'est important que tu écrives d'abord ce que tu perçois et ensuite que tu laisses Dieu remplir à nouveau. Là, tu viens de donner la clé de la grandeur, en fait. Hey, non, c'est trop noté. Mais en fait, je comprends parce qu'il y avait des moments, je me rappelle, il y avait des moments, les idées étaient là. Tout ce que je faisais, les idées étaient là. Mais le problème, c'est que, en fait, comme j'écrivais pas, à un moment, tout simplement, j'étais tellement frustrée que j'arrêtais. J'arrêtais parce que, en fait, j'avais pas cette clé-là de, en fait, il faut écrire. Donc, en fait, ça fusait. Mais tellement j'arrivais pas à l'exprimer que ça me rendait même triste et je me disais bon je comprends pas et donc j'arrêtais en fait. Là je viens de comprendre qu'en fait c'est juste en écrivant que j'aurais pu me recharger encore plus. Yes. Oh my God. Et même tout ce que tu disais par rapport au mouvement etc. J'ai remarqué que plus quand j'écrivais par exemple des personnages, plus ces personnes devenaient comme vivantes. Et des fois j'écoutais des musiques et je me disais mais ça c'est tellement ce personnage là. Mais parce que j'avais comme une carte d'identité de tous les personnages que j'aimais, c'est que je voulais voir. En fait. Ouais, et je viens de comprendre. Tu écris, ça se matérialise, c'est comme une déclaration. Waouh. Mais même j'ai envie de dire, l'écriture c'est... pardon, désolé. Pas de soucis. Là ça fuse là. L'écriture c'est comme une semence en fait. Parce que quand tu écris, quand tu mets sur la feuille, en fait c'est comme si tu posais un acte. Exactement. Quand tu reviens dessus, tu dis mais c'est là. Tu deviens une femme de foi parce que le Seigneur va venir à déposer dans ton esprit, mais toi tu vas dire non, la place de cette chose c'est pas dans mon esprit, la place de cette chose c'est dans la réalité en fait. Donc je dois emmener cette chose à être enfantée, donc je vais écrire la vision et ensuite je vais attendre parce que dès qu'elle est écrite, elle va arriver à son terme. Mais c'est trop pertinent parce qu'en fait on dit que des fois on a des choses dans l'esprit, mais il faut l'emmener dans le monde physique. En fait, il faut que tu l'écrives, en fait, c'est-à-dire dans le monde physique. C'est comme un acte qui va faire que la chose va venir dans le monde physique. Mais c'est trop pertinent, c'est trop incroyable. Dans le monde spirituel, tu sais, les mots sont des choses. C'est pour ça que quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière a apparu. Tu vois. Ouais. Juste pour rebondir sur le fait d'écrire, moi c'est un témoignage que je veux apporter, c'est qu'en fait, ce dimanche au culte, pendant que la mère supérieure parlait, pendant que le pasteur Paulette parlait, elle parlait du fait de le leader qui a lui sur la tête, il ne faut pas en fait se priver de vision et de créativité. Et d'un coup comme ça, le Seigneur commençait à me parler par rapport à l'orphelinat. Il commence à me donner le nom et je ne voulais pas noter.
me suis dit, bon, ça va, on me rappelle après. Et d'un coup, il commence à insister. Écrit. J'ai dit, ok, je commence à écrire. De là, je commence à, il commence à me donner des directives sur comment je vais faire. De là, tu cherches ça, tu cherches. Il commence à me citer les différents points sur lesquels je devais faire des recherches. Et ça, c'était vraiment trop. Trop pertinent, c'est déchargé, quoi. C'est ça. Yes. C'est déchargé. J'ai une question. Oui. Maintenant que on a la créativité, on a le potentiel, on a compris tout ça, comment faire pour gérer son temps? Parce que souvent, ça arrive quand on est des fois jeune, quand on est des jeunes femmes, il y a les études, il y a le travail, mais il y a cette petite passion qu'on aime faire. Mais comment on fait vraiment le matérialiser en gérant bien son temps, etc. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Okay. Je pense que pour pouvoir gérer son temps, il faut déjà arriver à comprendre ce verset biblique. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. En fait, regarde ta vie, il y a des choses qui ne sont pas utiles. En fait, parfois, on ne veut juste pas être sincère avec soi-même, la réalité, mais il y a des choses qui ne sont pas utiles. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être vrai avec soi-même? C'est parce qu'on considère, mais j'ai aussi besoin de me reposer, mais j'ai aussi besoin de regarder la télé, mais j'ai aussi besoin de rester là, juste là, quelques heures. Mais j'ai besoin de faire ça. Ce n'est pas un besoin, c'est une envie. Avant de gérer ses occupations, il faut faire la différence entre son envie et ses besoins, en fait. Si tu commences à vivre vraiment strictement te baser que sur tes besoins, tu vas te rendre compte que tu as énormément de temps à disposition. C'est comme ça que j'ai créé les Boss Ladies. C'est en me disant, j'ai des besoins, j'ai des envies. Et en fait, au moment où je lançais vraiment les Boss Ladies, je vous assure, hein, moi, je perdais plus mon temps à faire un certain nombre de choses. J'étais à fond. C'était devenu une passion qui me drivait. Il n'y avait plus le temps pour autre chose parce que j'étais à fond dans cette chose-là. Et en fait, c'est devenu mon loisir. Le travail est devenu mon loisir. Quand le travail est devenu mon loisir, je suis désolée, mais je comprends les personnes qui disent que ouais, mais il faut aussi des loisirs, il faut aussi des loisirs. En vérité, non, ça dépend des gens. Moi, je ne ressens pas le besoin d'avoir des loisirs. Je vous assure. Je n'en ressens pas le besoin. Pourquoi? Parce que dans ce que je fais dans mon travail, j'ai trouvé mon plaisir. Donc, je ne ressens pas le besoin de me dire que toute l'année, il faut que j'ai au moins deux temps où je pars en vacances. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie en vacances. Et ce n'est pas un besoin que je ressens. Au moment où je sens que j'ai besoin de vacances, ce n'est pas juste l'envie de partir, mais c'est le besoin de, ok, là, j'ai beaucoup travaillé quand même, il faut que je me repose. Et en général, ça arrive tard. Mais tu vois, en fait, il faut vraiment comprendre cet aspect de, je dois faire la différence entre mes besoins et mes envies. Ensuite, quand j'ai mes besoins en face de moi, comment est-ce que je peux transformer ça en quelque chose de fun pour que ce soit un pur loisir et que je n'ai pas l'impression que je suis en train de perdre mon temps. Ensuite, il y a la réalité. Il y a la réalité, c'est tu as peut-être un travail, peut-être que tu as un emploi ou peut-être que avec le ministère ou la maison, il y a plein de choses à régler, à gérer. C'est à ce moment-là que tu deviens hyper discipliné. J'ai eu une époque où je me levais à 5 heures du matin pour travailler. C'est-à-dire que je me réveille, je suis dans mon lit, je travaille. Et comme ça, et quand je dis je travaille, je fais tout ce qui avait rapport avec les Boss Ladies pour que je puisse être dans les studios ici dès le matin. Donc je fais tout ce que j'ai à faire qui sont de mon compte personnel. Et ensuite, je me retrouve ici et puis je fais tout ce qui est attendu de moi en fait. Donc il y aura des moments comme ça où si tu veux vraiment que ton projet puisse aller à un certain niveau, tu es obligé de faire des sacrifices de sommeil. Faut arrêter de se mentir. Tu es obligé. Non, parce qu'on va pas. Je vais pas te dire. Raconter une histoire en te disant oui alors. Alors tu prends un agenda. Dans ton agenda, dans ton planeur. Tu planifies. C'est la vérité, hein. Tu peux planifier tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas la discipline de te réveiller tôt le matin, de travailler, ça ne sert à rien de planifier. Donc tous les planeurs quand vous vont là. Ma sœur. Ça parle. Elle a passé 20 minutes à faire sa vie pour la Non, je rigole, je rigole. Ce que je veux dire seulement, c'est que avec le planeur, il faut aussi mettre en place des actions de façon concrète en fait. Donc c'est ça en fait. Quand tu commences, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'il faut te lever plus tôt, tu te lèves plus tôt. S'il faut dormir plus tard,
ben, tu dors plus tard. Et beaucoup de gens ont peur de ça, mais sauf que c'est la réalité. Tu ne parviendras à rien si tu dors aux mêmes heures que tout le monde. Si tu veux faire les choses que les autres ne font pas, si tu veux avoir les résultats que les autres n'ont pas fait, les choses qu'ils ne font pas. C'est-à-dire dormir tard s'il le faut, se lever très tôt s'il le faut. Mais voilà. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ceux qui dorment pas. Si tu, si tu dors, ta vie dort. Ah, ça l'arrête. Mince. Levez-vous, levez-vous. Si tu dors, ta vie dort. Ok, est-ce qu'il y a une autre question? Et du coup, en fait, avec tout ce que tu viens de dire, parce qu'il y a les aspects, ok, boys, lady, nanana. Mais en réalité, une boss lady, c'est un petit peu une vie solitaire. Parce que si on va dans le fond des choses, en fait, c'est quand même être un leader dans son domaine. C'est accepter qui on est, mais c'est aussi se mettre à part et vraiment se consacrer à ce que Dieu nous a appelé à faire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce petit paradoxe? Justement, dans le milieu des footballeurs, des basketteurs, des chanteurs, des artistes, des comédiens, on dit d'eux qu'ils sont consacrés à leur œuvre. Lui, il est consacré au basket. Elle est consacrée. Mais consacrée veut dire consacrée, en fait. Ah. Même quand tu es consacré au ministère, quand, le jour où on te consacre au ministère, on te met à... Ah. 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 Ta réponse. Ah, c'est ça, en fait. Ouais. On te met à part. Et le truc, c'est que beaucoup de gens ne portent pas de fruits parce qu'ils ne veulent pas se mettre à part pour ce qu'ils veulent, en fait. Si tu te... Attends, pour ta vie spirituelle, tu te mets à part. Bon, tu veux du résultat dans ce domaine-là. Pourquoi tu ne te mets pas à part pour ça? Il faut que tu te mettes à part. Et se mettre à part, c'est faire ce truc que je fais souvent quand je travaille. Tu vas là, tac, et tu mets concentration, et tu déposes le téléphone, et tu te mets à travailler. En fait, c'est ça, se mettre à part. Se mettre à part, c'est se mettre loin de tous les bruits extérieurs qui peuvent te distraire. Tu sais très bien que si tu ne mets pas ton téléphone là en mode avion, tu vas prendre tous les appels. Il faut te mettre à part. Par exemple, en tant que pasteur, vous le savez, on est très occupé. Ben, moi, je sais que si je veux vraiment travailler pendant un temps, une heure de travail, je mets en mode avion. Et c'est pas grave, qui m'appelle pas, je vais les rappeler, ils vont pas mourir. Moi, j'ai une autre question, c'est qu'en fait, tout à l'heure, Naomi parlait du fait de trouver, en fait, de matérialiser, en fait, nos créativités. Mais quand on veut, en fait, qu'en fait, on a une vision, mais on parle souvent de quand on a la vision, il faut avoir une provision. Comment trouver la provision? En fait, la question, c'est pas comment trouver la provision. Il y a d'autres questions à se poser parce que si c'est Dieu qui donne la vision, il donne la provision. Si la vision vient vraiment de lui, la provision est quelque part. Je vais vous prendre l'exemple. Il y aura une émission là qui va passer. Et une des boss lady justement va dire en fait que au moment où elle cherchait du travail, Dieu lui a dit non. Je veux que tu passes du temps avec moi. Elle a dit, mais Seigneur, tu sais très bien que cet été, moi, j'ai besoin de travail. Dieu lui dit, non, je veux que tu passes du temps avec moi. Ok, bon, cet été, je ne vais pas travailler alors. Elle a dit, bon, je vais me consacrer. Elle voulait consacrer l'été à Dieu. Et pendant qu'elle a consacré son été à Dieu comme ça, là, en plein milieu de la consécration, quelqu'un l'appelle. Opportunité. Un emploi où elle était payée 3 fois plus que le travail qu'elle visait. Tu comprends ou pas? Si la provision vient de Dieu, si la vision vient de Dieu, la provision se trouve forcément en Dieu. La provision est en Dieu. Pas où est-ce qu'on trouve la provision? C'est en Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. S'il est le maître des temps et des circonstances, il doit créer une opportunité. Dieu va créer des opportunités à partir du moment où tu seras committed, tu seras engagé dans une alliance engagée avec lui. Il va créer des opportunités. Des opportunités que tu ne pouvais même pas imaginer. Moi, Dieu a créé pour moi des opportunités avec des femmes importantes, puissantes. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment te dire que certains, c'est même pas des gens que je connaissais, tu vois. Et le Seigneur les a fait rentrer comme ça dans mon cercle. J'ai dit, oh Seigneur, tu es comme ça. Merci Jésus. Merci. Et en fait, c'est ça. Tu vois, faut pas oublier que tu es un enfant de lumière, que tu es enfant de Dieu. Et que tout est pourvu sur cette terre ici. Il n'y a pas une chose qui n'est pas pour toi.
Si Dieu a mis la vision, continue d'écrire la vision, continue de prier, continue de déclarer, continue de... N'abandonne pas cette partie-là de déclaration, parce qu'en fait, cette partie-là, on a l'impression que c'est la moins importante, mais c'est la plus importante. Le travail, c'est important au moment où tu fais ton activité. Mais la partie où tu déclares les choses, c'est tout aussi important. Tu vas te créer des opportunités de façon surnaturelle, comme ça. Comme ça, juste en déclarant. Opportunités surnaturelles. Sur les fondations, quand même. Oui. Fondations de la base et tout ça. Amen. Amen. Donc, les opportunités. En fait, la provision, c'est l'opportunité. Parce que la provision, c'est Dieu qui va envoyer l'ange pour te nourrir. Donc, c'est Dieu qui va faire ça. Amen. Wow. Du coup, tu as un petit peu répondu à une question que je voulais poser, parce que des fois, tu vois, quand tu te lances et que tu es seule dans ton truc et que tu n'as pas forcément les contacts, des fois, tu te dis, mais comment est-ce que Dieu va me lever les carnets, les gens et tout, parce que c'est bien, tu lances le truc, mais bon. Laisse-moi booster ton esprit. Dans ton carnet d'adresse, ton meilleur contact, c'est Dieu. C'est vrai, ça. C'est le meilleur contact dans ton carnet d'adresse. C'est Dieu. Amen. Si il est celui qui t'a donné le souffle de vie, t'a donné la vie, il t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu vives sur cette terre. Et la Bible nous dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie et à la piété. Il t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout est pour toi. Tout est gérable. Tout est possible. Rien ne t'est impossible en réalité, en fait. Parce que c'est lui qui fait. Et c'est vraiment cette mentalité-là, au travers des Boss Ladies, qu'on veut transmettre aux gens, en fait. C'est vrai que parfois, on se dit, ah, si je crée un contact avec telle personne, ça va m'emmener quelque part. Si je crée un contact, mais tu sais pas. Est-ce que tu connais l'agenda de cette personne? Est-ce que tu connais son plan? Est-ce que tu sais où est-ce que cette personne veut t'emmener? Non. Vaut mieux que tu ailles là où Dieu veut t'emmener. Et vaut mieux que Dieu lui-même te crée des opportunités. Et il faut que Dieu emmène ces personnes vers toi. Et quand Dieu emmène ces personnes vers toi, aie les yeux pour reconnaître que ça, c'est un ange. Aie juste les yeux pour voir et reconnaître que non, là, c'est un ange. Tu vois. Donc, voilà, c'est ça. Pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais de mentalité. Et depuis tout à l'heure, je t'écoute et je me dis, mais ah, c'est une mentalité d'avoir les réponses à ces questions-là, etc. Mais en fait, comment tu as, comment dire, tu as fait grandir cette mentalité, parce que amen, maintenant il y a les Boss Lady Show, mais avant il y avait pas. C'est quelque chose que tu as dû chercher. Mais comment faire pour rester tous les jours dans cette mentalité de Boss Lady, je vais arriver, etc. Waouh. Tu vois, avant j'étais dans le rêve. Avant j'imaginais. Avant, je laissais, j'imagine que, oh là là, ce serait bien, hein, une plateforme, blablabla. Avant, j'imaginais. Et en fait, tu sais où est-ce, à quel moment ma mentalité a réellement changé, vous allez rire. Hein. Mais vous voyez sur la page Instagram des Boss Ladies, il y a des messages, des phrases qui sont balancées tous les jours et tout. En fait, j'écris, c'est moi qui écris tout ça. Et en fait, je voulais, parce que moi on m'a dit, mais pourquoi tu ne donnes pas à quelqu'un d'autre? Je dis non. Je voulais écrire toutes ces choses parce que ce sont les choses que j'ai dans mon cœur et que je pense. Tu comprends? C'est la vision. Et je devais mettre la matérialisation, il fallait que j'écrive. J'ai écrit. Pendant un an, je l'ai fait. Et un jour, comme ça, sur le forum, sur WhatsApp avec les filles, je leur ai dit, purée les filles, ça fait un an que tous les matins, j'ai écrit ces messages. En fait, tout d'un coup, au-dedans de moi, j'ai la sensation que je suis devenue ce message. En fait, j'ai ressenti comme une force, comme une conviction, comme, purée, je me sens inarrêtable, en fait. Je sens cette foi en moi, en fait. Et en plus, souvent, quand j'écris, je dois relire pour vérifier s'il n'y a pas eu des fautes d'orthographe. Et donc, parfois même, je relis peut-être plein... près de 10 postes comme ça. Je relis. Mais enfin, on parle bien de méditation là. Je médite ces choses. Je médite ces choses. Et comme je médite ces choses, je les écris, je les murmure, puisqu'il faut que je les relise, je deviens. Et en fait, c'est ça le secret. Tu écris et tu vas devenir ce que tu écris. Est-ce que tu murmures, en fait? C'est ça le principe de la méditation.
C'est trop pertinent. Parce que en fait, quand tu disais que quand tu écris, tu murmures, mais c'est la déclaration. Oui. Et plus tu déclares, en fait, bah, tu deviens ce que tu déclares. Et c'est trop pertinent. Vraiment, c'est, Josué, ça, Josué 1 va dire, médite ce livre nuit et jour. Pourquoi ? C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Le succès vient de la méditation. Ils m'ont pas cherché partout alors que c'est déjà écrit. Non, c'est tout simple. Non, tu médites. Et méditer, c'est quoi? Méditer, c'est murmurer. En fait, tu médites. Tu murmures. Bien sûr, tu médites pas n'importe quoi. Tu médites en fait ce qui fait grandir ton esprit. Et c'est là que tu vas avoir cette force, ce courage. Les gens souvent posent la question, comment je fais pour changer mon mental? Médite. Oh my God. Médite les bonnes choses, tu vas changer ton mental. Tu vas changer ta, ta façon de voir, ta, ta mentalité, tu te sentiras inarrêtable. Médite. Médite ce livre nuit et jour. La Bible nous a tout dit. Il y a tout dedans. Qu'est-ce qui passe que, en fait, on soit le meilleur dans ce domaine-là? Ah, la réponse, elle est très rapide. Le travail. Ah, il n'y a pas de secret. Non. Qu'est-ce qui va faire que tu vas être le premier, que tu vas être le plus excellent? C'est le travail. Mais autour du travail, je mettrais une mentalité d'excellence. Parce que tu peux travailler avec une mauvaise mentalité et du coup, tu n'es pas excellent. Mais si tu travailles avec la mentalité d'excellence, ce que tu vas faire sera excellent. Parce que ce qui rend excellent, ce qui rend ton travail excellent, c'est surtout qui tu es. Tu vois, ce sont les valeurs que tu portes. Ce que tu es, les valeurs que tu portes, rend ce que tu fais excellent. Tu vois, donc, parce que tu peux te retrouver là avec plein de gens qui font exactement la même chose. Ça va être quoi la différence? La différence va se voir dans qui tu es. Moi, je sais qu'il y a, il y en a plein qui animent des émissions. La différence se fera dans qui je suis. Parce que l'idée, c'est pas juste d'animer une émission. Oh, c'est cool, on est bien et tout. Non, je dois représenter le message. Tu vois. Quand tu arrives au niveau où tu représentes ce que tu fais, c'est-à-dire que quand on regarde ce que tu fais, on reconnaît tes valeurs, on te voit, on voit qu'il y a, il y a des valeurs de travail, des valeurs d'intégrité, etc. Tu deviens excellent en fait. Tu deviens excellent. On a répondu à toutes les questions, j'espère. Une dernière question. C'est en fait, quels sont les, bon, on va dire, entre 3 et 4 grandes clés que tu peux donner à quelqu'un qui veut devenir une boss ladies ou qui a comment dire, qui veut construire une entreprise ou une structure en fait, quelles clés tu peux lui, tu peux lui donner? La première clé, c'est la vision. Écrire la vision, déjà réussir à capter la vision. Pour réussir à capter la vision, c'est important en fait de se connaître soi-même. Et pour le chrétien, je dirais de connaître Dieu, parce que c'est en Dieu que tu trouves ton identité. Ensuite, quand tu as trouvé ton identité, il faut réussir à, en fait, à repérer quelles sont tes forces. Parce que même si tu as déjà une entreprise ou tu as une idée d'entreprise, il va falloir que cette entreprise puisse avoir ta signature et ta marque. Parce que ça ne sert à rien de créer des choses qui existent déjà. Il faut une signature. Il faut quelque chose de... Voilà, on reconnaît que c'est ta touche, en fait. Donc, il faut apprendre à reconnaître quelles sont mes qualités, quelles sont mes valeurs. Donc, il faut définir des valeurs très, très claires, en fait, tu vois. Ça, c'est la deuxième chose, définir des valeurs claires pour soi-même et pour son entreprise. Et ensuite, je dirais, ben, écrire une grande vision, ne pas écrire une vision seulement à court terme. Il faut écrire à court, à moyen et à long terme. Il faut être capable de voir très loin si tu veux voir très grand. Il faut être capable de voir très loin si tu veux voir très grand. C'est-à-dire, quand tu écris ta vision, tu écris, ok, sur 3 ans, voici ce que je veux réaliser. Ensuite, sur 5 ans et sur 10 ans, tu vois. Et ensuite, il faut être quelqu'un d'assez précis. C'est-à-dire, il faut aussi pouvoir écrire. Il ne faut pas juste rester dans les rêves et juste écrire, oh, je rêve de créer une boucherie. Non, il faut écrire sur 3 ans, tu te vois gagner combien? En euros. Tu te vois gagner combien en fait? Sur 5 ans, tu te vois, tu penses que ça va te rapporter combien? Sur 10 ans, tu penses que ça... Et là, pour répondre à cette question, il va falloir quand même faire des études. Il va falloir chercher en fait. Il va falloir te renseigner. Il va falloir voir qu'est-ce que les autres qui étaient avant toi ont fait et comment est-ce qu'ils ont pu gagner. Ensuite, l'autre conseil que je donnerais, c'est avoir en fait un esprit innovateur. Un esprit novateur, plutôt on dit.
novateur. Ouais, c'est toi qui écris les mots. Un esprit novateur. Donc faire preuve d'innovation. Et donc en fait, il faut toujours emmener quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Mmh. Tous les ans apporte quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas avant dans ce que tu faisais. Mmh. Et si tu sais apporter quelque chose de nouveau à chaque fois, ça va être trop trop bien. Et dernier conseil. Travaille, ma chérie, travaille. Ah. Travaille. Lève-toi tôt le matin, dors tard, travaille, 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 le travail. Ok, ben. C'est déjà pas mal, là. Ah, oui, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup pour les clés. Merci en tout cas, pour les clés. Ouais, est-ce que ça a répondu à ça? Bien, là. Ça donne envie de bosser, en fait. Là. Ah, vous êtes devenus des boss ladies. Ah, le pari est réussi. Yes. Ok, ben ça m'a fait plaisir de vous avoir exceptionnellement sur ce plateau. Ben écoutez, la prochaine fois, revenez. Ah oui, il y a pas de problème. Il y aura des nouvelles clés. Il y a pas de problème. Ouais, il y aura des nouvelles clés. En tout cas, merci à vous toutes qui nous avez regardées. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les faire parvenir en commentaire, juste en dessous du player. Sachez également que vous pouvez soutenir Évangile TV en envoyant des dons pour que cette chaîne puisse davantage produire des missions. Vous savez que nous produisons énormément d'émissions et avec votre aide, nous allons continuer à travailler dans l'excellence. N'hésitez surtout pas, vous pouvez cliquer, c'est juste en bas ici, cliquez, envoyez quelque chose à Évangile TV, vous allez soutenir une œuvre qui non seulement va transformer des vies, mais une œuvre aussi qui va propager l'amour de Dieu, qui va propager la parole de Dieu un peu partout. C'était le pasteur Gracia, les Boss Ladies Show, et c'était un plaisir de présenter cette émission et de répondre à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Bye.